Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Garry's Mod et c'est parti, je suis accompagné de plein de personnes, salut tout le monde. Bonsoir. Toujours l'équipe habituelle, il en manque juste un qui est pas là pour le moment. Salut les transeux de prépa. Ah, je suis suivi par Lima. Je vais vous dire, j'ai fait STI, je suis complètement con et dévoué. Ah, il y a Romeo Calgun. Ah, c'est bon ça, c'est une bonne nouvelle. Moi je suis Lima, et salut Charlie, tu veux un bonbon? Moi je lui dis Lima, il veut me donner des bonbons, monsieur l'arbitre, je le conseille moi, de le tuer. Pour pas vous tuer. T'as regardé quoi? Roméo, il y a quelqu'un derrière toi. Merde, il a tué le vrai murder avant. Ah ouais. Ah non. Il a pu un bon. J'aurais vu avec le gun qui a voulu me tirer dessus. J'ai vraiment pas de chance, c'est un truc de ouf. Ah oui, ah ben. Tu vois, pour une fois, c'était pas moi. C'est vraiment trop injuste. Mathieu, réponds à ma question. Mathieu, est-ce que c'est toi le murder? Bah non, du coup. Oui, ben est-ce que c'est toi le murder? Oui. Ah bah voilà. C'était quoi ton pseudo? Oui, non sincère. Oui, mais donne-moi ton dis-moi ton pseudo, je tire et puis voilà, c'est fini. Papa bleu. Je l'ai raté. Roméo. Je suis Foxtrot, j'arrive, me c'est bute qui, pas. Papa bleu. Putain, j'ai pas envie de me faire spawn kill. C'est moi. Non, c'est Foxtrot rouge. Je viens d'être murder. Mon pou, j'ai été deux fois aussi. Bon. Viens, si tu tires sur alors, le mauvais, je coup, ramasse c'est le gun. Alors c'est papa. C'est papa! Et c'est rien du tout, c'est si c'est mais papa, je viens d'être murder, quoi! Il tient ma droite juste avant dans mon angle de vue. Je vais t'avoir dans mon angle Miko, de vue. Miko, il tient un bidon pour se protéger des tirs. Et écoute la voix, c'est bon. Papa. Si tu me tires dessus, tu tires mais dans un je bidon. Je viens d'avoir le couteau, péter. Je peux pas laisser murder deux fois de suite. Papa bleu. Si, on peut largement l'aider, je l'ai été combien de fois de suite? Miko, il tient un bidon pour se protéger des tirs. Vas-y, tire sur moi, tu verras que c'est pas vrai. Voilà, j'ai plus de bidon, c'est papa bleu. J'ai honnêtement, je vous dis mon ressenti, j'ai très envie de tirer sur Arnaud, même s'il vient d'être murder. C'est papa bleu. Très vas-y, tire sur moi, tu vas vite le regretter. Voilà. Super cool. Là, je sais pas pourquoi j'avais. La non-confiance. C'est que je sais pas pourquoi, genre, je sentais de l'hésitation dans ta voix. J'étais là, tu faisais, vas-y, tire, viens tu là, vas le regretter. Ah non, là, je me suis dit, putain, c'est du troll, c'est pas possible. Il y a un corps qui vient de là. Viens. Viens. Le 1-1, Kamarov OIS. Excusez-moi. Viens. Allez, viens. Parce qu'il est, je le vois pas. Le 1-1. Il cache. Allez, viens. T'as le couteau, Mathieu, c'est ça? Oui, j'ai ouais, le couteau. C'est Mathieu qui a le couteau. C'est du 1-1. Attention. Et c'est le raté. Et c'est la mort. Ouh, le 3-6 de son corps. Son corps qui fait un. Il est frôlé le bras. Oui. I'm a bystander. Oh là là, le pré-shot. Oh, le pré-shot de roll. Yo, también soy un bystander. With a secret weapon. Oh mon dieu, j'ai pré-shot mon rôle alors que j'ai une chance sur deux. Trop fort. Je suis avec Lima sur le toit, si je meurs c'est Lima. Un Lima orange. Moi, non, Lima c'est vert. Moi, je suis aussi un bystander. Moi je suis Lima bleu et j'arrive sur le toit, me butez pas. Mais tout le monde est Lima, c'est ça? Arnaud, t'es quoi? Ouais. Golf bleu. Ah bah voilà, on sait qui est le murder. Bah, ouais, ouais. À moins que c'est lui le shérif, et ce serait trop drôle. C'est moi le shérif, bon. Oh yes, ça va être trop drôle. C'est qui le shérif? C'est le shérif, c'est Arnaud, ouais, et le murder c'est Lima. Orange, il a mis... Mais après Lima quelle couleur on sait pas. On sait que c'est Lima orange, il se balade et ouais, il fait dis, que des conneries là-bas. Ça là. Prépare des coups de Trafalgar. Non, alors qui est de quelle couleur? Moi je suis vert, moi, je suis Mathieu Lima orange et Mathieu. Mais non, je suis Lima bleu. Moi je suis rouge. Lui il est rouge. Non, là-bas. Je préviens, c'est vraiment pas moi. Moi je cherche juste à faire l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Voilà. Merci, merci. C'est la vengeance Arnaud, c'est ça? Quel enfoiré. C'est la vengeance Arnaud. Je rigole trop. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout, bah, j'aurais pas dû te tuer avant. Surtout, il a dit ah, j'ai pré-shot. Eh non. Cette fois, je l'ai vraiment pré-shot. Il y avait la sincérité dans ma voix. Ah. I am on the rooftop. Il y a quelqu'un de violet en bas. Mon épreuve des poteaux. C'est Sierra. Je m'appelle Golf. Kilo bleu avec moi, si je meurs c'est lui. Il y a un rose dans les escaliers. Pourquoi c'est d'un coup moi? Non, c'est celui qui a le gun, c'est bon. Non, monsieur l'arbitre, je viens d'être murder, c'est bon. Je viens de vérifier le théorème en tuant Arnaud avant, on ne peut pas être murder deux fois d'affilée. Voilà, très probablement pas. Ok, Arnaud. Là-bas, il y a quelqu'un sur les poteaux? Non, non, Golf, tu vas sur le toit d'en face là, tu vas sur le toit d'en face. Je vais faire et les le poteaux. Mec avec les poteaux, tu non, vas non, sur le toit. Non, viens, on va faire les poteaux de Koh-Lanta. Vas-y, et la vidéo est démonétisée. Hop là. Vas-y. Je peux pas faire une vue extérieure. Ok, alors déclinez chacun votre nom et
Merde, alors... désolé, misclic. Ouais. Pourquoi ? Vous me rappelez pourquoi on l'a mis en tant que gunner ? Pourquoi c'est lui qui a le gun quand il faut faire des trucs comme ça ? Attends, on commence par celui qui est, je sais pas, le plus loin dans les poteaux. Kilo, là-bas ? Voilà, celui-là, celui que tout le monde regarde. Ouais. Attends deux secondes, j'écris un message. C'est de l'irrespect, ça, monsieur l'arbitre. Ah, voilà, je le savais. Tu réponds pas à un message du tout, même. Le mec est fier parce qu'il est la chatte à mort pour réussir à ça. Vas-y, on fait les poteaux. Vas-y, on fait les poteaux. Genre, je sens que ça va se jouer full poteau à chaque D'accord. fois. D'accord. J'ai le gun, donc vous avez tous les trois sur le poteau. Tout de suite. Je sens qu'il va y avoir un règlement de course. Alors, vous dites pas qui vous êtes. Juste Mathieu, t'es qui ? D'accord, ok, allez, prends ta balle. Vas-y, où les poteaux ? Pas le droit de me tuer avant que vous soyez sur les poteaux, sinon c'est pas possible. Entendu, ouais. Arnaud, tu vois, vu que t'es murder, tu le tues pas, t'as compris ? D'accord, pas de soucis. Voilà. Arnaud, c'est Papa Rouge, non ? Arnaud, c'est le murder, c'est tout ce que je sais. Non, Papa Rouge, c'est moi. Mais Arnaud, c'est le murder, c'est tout ce que je sais. Je monte au poteau, hein, vous calmez. Il est pas serein sur les toits. Non, mec. Mais putain, j'arrive pas à monter ! Et voilà ! Il y en a qui savent pas faire les jumps, hein. Non, moi, j'ai pas tryhard de Minecraft toute mon adolescence. Ah, moi non plus. Ça, c'est Raphaël plus. Fou. Là, ah, les poteaux. Allez, voilà, c'est bon, t'es bon. Roméo. Voilà, tu peux poser tes questions. Bienvenue pour cette 9e édition de Koh-Lanta. Aujourd'hui, l'épreuve des poteaux. Une épreuve qui demande maîtrise, fibre et endurance. Aujourd'hui, nous allons interroger Papa. Papa, je sais que ça va mal dans l'équipe des Rouges. On a vu dans les rushs. Vous êtes embrouillé avec Sabrina. Je sais que ça va très mal. Ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire ? J'ai quelque chose à dire, moi, monsieur. C'est que je me suis très embrouillé avec Sabrina et que j'en ai marre de la vie. Ah, il est tombé, il est mort. Ce n'est pas grave, ça fera quelqu'un à moins de payer. Attention, nous avons deux finalistes. D'un côté, l'équipe des Rouges. Et d'un autre côté, l'équipe des Murder. Mais j'allais dire que Roméo, il est tombé. Qui a fallu gagner les poteaux. C'est moi qui ai gagné les poteaux, ok. Moi je dis cet épisode ça va être full poteau. Ça va être Koh-Lanta. Moi j'ai dit Sabrina la pute, c'était pas pour rien, j'ai collé. On refait les poteaux, c'est moi Denis Brogniart. Voilà. Denis Brogniart. D'accord. J'ai même pas eu le temps de faire un gros. Ah ouais. J'ai même pas eu le temps. Prépare tes musiques. Moi je suis déjà sur les poteaux, monsieur l'arbitre. C'est bon, je suis sur les poteaux aussi. Voilà, ça va moi je suis en train de monter, monsieur l'arbitre. Yes. Je sens que c'est Mathieu le murder, mais. J'adore glisser. Le murder, donc je veux dire Mathieu, tu tues pas le Denis Grognard. T'attends un peu. C'est qui uniforme ? Je vais voir au talent. Oh, ça a l'air d'être Mathieu vu comment il hésite. Ouais, c'est Mathieu ça. Ah, il est tombé. Vas-y, whisky. Ah, ouais, ouais. Bah, finalement il y a deux Mathieu en fait. On a deux Mathieu. C'est comme avoir deux bras gauche, mais. Ouais. Salut, mais c'est Mathieu. Vous avez pas besoin de sauter, vous avez juste à marcher et ça marche tout seul dessus, je crois. Genre les poteaux sont assez espacés. Oui, le premier, oui. Ouais, vas-y, descends déjà sur le premier, après tu sautes. Bah attends, pas le premier. Allez, Unicorn, yes. Ça, c'est Mathieu qui tombe. Oh, non. Vous êtes vraiment des losers. C'est pas vrai. En fait, le plus dur dans les poteaux, c'est pas de rester dessus, émission, je crois que c'est de venir dessus, quoi. Bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai peur qu'il me cut derrière moi, là. Là. Bon, celui qui arrive pas à monter sur les poteaux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends. Faut que je prépare la musique. Vas-y, vas-y. J'ai trop hâte de le faire, Denis Brogniart. En vrai, j'ai trop hâte. Allez, YouTube, tu peux le faire, YouTube. YouTube. Il reste trois candidats. Ah. Vas-y. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Merde, et plus musique. Ce soir, c'est la finale. Nous nous retrouvons sur les poteaux, la mythique et légendaire épreuve des poteaux. On n'a pas la musique. Ah là, j'ai le track. Hein. Ok, déclinez-vous, identité. Monsieur. Alors moi, c'est Papa, ça fait 37 jours d'aventure que je suis là, et si jamais je gagne les 100 000 euros, bah, je m'en irai faire le tour du monde. Voilà. D'accord. Oh, bah, bon, là, c'est vous. En marron. Qui êtes-vous ? Musique, ma femme... Doit s'occuper de mes 8 gosses, ma femme, voilà, elle est seule au foyer, bon. Mais j'ai prévu de lui ramener la coupe à la maison. Bah moi je suis ici parce que c'est l'émission où...
Je t'ai pas parlé, ok. Denis Grognard a oublié de prendre ses cachets. Denis Grognard fait des crises. Et Nabila, elle a des gros seins, du coup j'aimerais bien qu'elle ait Nabila. Oh, ouais. Putain, oh merci, shit. Il reste deux concurrents. Ah ouais, à votre avis. Monstrueux. Reste sur les poteaux, reste sur les poteaux. T'as une chance de t'en sortir, suicide-toi. Mets fin à tes jours, ou j'y mettrai fin moi-même. C'est moi qui devais gagner le collier d'immunité. Ah, voilà, je le savais. Eh, hey, Denis Grognard, vous êtes où? Là. Ouais, j'ai eu le temps. Ok, merci. De rien. Merci beaucoup de ce soutien. Ouais, bon, moi, tu j'étais persuadé que ça allait être Mathieu. Non, je suis pas encore Denis Grognard, mais j'ai trop hâte. Je fais que bystander. En fait, c'est quand t'as envie d'avoir le rôle que tu l'as plus. C'est ça. Il me le faut, le rôle. Je veux faire au moins une fois l'animateur avec la musique de François. Ah putain, oh j'ai fail. Oh, je suis tombé. Ça fait bizarre de tomber. J'aurais dû faire Moundir. Merde. Moi, personne n'est à ma torche. C'est moi qui dois gagner. Et personne d'autre. Venez, j'ai trouvé les mini Moundir et les aventuriers, et je vais me faire une tonne de bûches. non, pas Moundir. Non, vraiment, Koh-Lanta, restez sur Koh-Lanta. C'est encore moi, Denis Brognard. Ah, moi je suis sur les poteaux. J'attends mes camarades. Prépare ta musique. En vrai, la musique, on l'entendait pas super bien, mais prépare-la, ouais. Ça, c'est qui? Attends, je vais vous dire qui c'est. C'est bon, ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais tu sais qu'il faut sauter sur le deuxième, le temps que Mathieu... Ah, je suis haut, t'es honte. Je suis en train de monter, là. Oh. T'es monte ou t'es mort? C'est vrai. Mais je suis tout en bas, j'ai pop tout en bas, j'arrivais pas à trouver l'escalier. Ok. Ah, merde. Essaye de sauter à côté en attendant Mathieu, pour se rapprocher. Au centre. Et encore au centre. Ouais, mais parce qu'il pourra pas te traverser là. Et après, c'est au centre. Merde, j'ai. Ils sont tous les deux tombés des poteaux. Pourquoi vous êtes tombés? Mais Lucas, il est tombé. Regarde, il y a des traces de sang. Oh, ce killer extinct. Le mec, il s'est retourné. Bien joué, Arnaud. En vrai, bien joué d'avoir bluffé sur le fait que tu montais encore. C'est bien. Plutôt que de dire que t'es mort. D'avoir dit que t'étais pas mort. Alors que t'étais mort, d'avoir bluffé là-dessus. Mais oui, moi j'aime bien ça, tu vois. Ouais, c'est bien genre, ça, mais par contre, s'il vous plaît, genre le mec qui est murder, je suis Denis Brognard, s'il vous plaît, vous tuez pas, j'ai vraiment envie de le faire. Genre, attendez au moins un peu. Genre, on monte sur le toit, j'ai envie de gars, le faire une fois. Les gars, je propose une nouvelle règle par rapport aux morts. Ouais, vas-y, propose. Pas qu'on a plus le droit de parler, mais qu'on a encore le droit de parler, mais qu'on a pas le droit de dénoncer ou de dire où est le gun. D'accord, ouais, pas de spoiler, quoi, c'est juste de faire croire qu'on est toujours en vie et qu'on fait des choses. S'il vous plaît, on a le droit de faire croire. Oh non, je vais devoir m'avancer. Oh, tu fais chier. Ouais, vas-y. Eh, l'autre, il passe par l'autre côté. Hein. Non, mais celui qui est vert, décale-toi d'un. Voilà, bon. Allez-y, non, je vous laisse le temps de monter, mais s'il vous plaît, vous tuez pas. Je veux vraiment faire au moins une fois le présentateur. Non, t'inquiète. On va rester collé serré. Ouais. Il faut que j'arrive à savoir. Mais tout le monde est tombé. Ouais, tout le monde est tombé. Par contre, il en manque. Oui. Mais me pousse pas. Ta mère, le poivron. Mais arrête de ramener des trucs comme ça, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut bloquer le passage, lui. Non, mais en vrai, Mathieu, je joue le rôle, sinon je te bute. Que l'accès au studio. Mathieu, je te bute. Allez, montez sur les poteaux, SVP, je veux faire Denis Brognard, je veux faire. Moi, si Tango, il est grave chelou. Enfin, qui veut gagner des millions? Je suis sur les poteaux, moi. Ah, enfin, un qui est sur les poteaux. Mais c'est à cause de lui que je peux pas y aller. Enlève mais ta... je suis tout au bout. Ouais, mais enlève ton ta truc, ça dégage les gens. Amène-moi Mokhtar, il va dégager avec sa palette, là. Attends, j'essaie de tirer sur la palette, mais ça marche pas. Voilà. Allez-y. Oui, tu pousses pas. Allez, ça part. On va faire Denis Brognard. Hop. Stop, bouge plus. Le dernier, allez, tu le fais. Juste tu te mets sur le premier. Voilà, tu bouges plus. Allez, mets la musique. Chers amis, chers téléspectateurs, c'est dans cette région du Cambodge que nous nous retrouvons avec nos chers aventuriers pour cette édition 2019 de Koh-Lanta. Ils étaient 20 et maintenant ils n'en sont plus que 3. Il n'y a plus la musique, remets la musique. Et désormais, nous pouvons dire que nous avons les meilleurs aventuriers qui y restent. Nous avons deux hommes et une femme, si j'arrive à voir d'ici, mais comme j'ai pas mes lunettes zoom, je ne peux pas très bien voir. Alors je vais demander à tous les candidats de se présenter un par un, en commençant par celui de gauche. Bleu. Je m'appelle Whisky. Whisky. Je suis bleu, voilà, et j'aime le... Ok, candidat suivant, présentez-vous. Moi, c'est Tango.
tango couleur du rouge. Donc j'ai rejoint l'équipe de rouge juste pour ça. Voilà, et qu'il y avait Sabrina. Sabrina, ben, BCBG, hein, voilà, elle est très belle, elle est très belle. Et voilà, et je ne jouais pas à l'équipe des jaunes parce qu'il y a la vieille Gertrude, là, elle est pas très très belle. Et donc, ben, voilà, j'ai choisi cette équipe et je suis venu pour gagner, quoi. Hein. Dernier candidat, présentez-vous. Et moi, c'est papa, je suis père de deux gosses et. D'accord, entendu. Comme ça, je pourrais. Ouais, je pourrais leur offrir des trucs et tout. Genre, quand tu et mettre pas, en placard quand ça fera chier. Voilà. D'accord, entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien. On va parler. En fait, quand t'arrêtes de parler, en fait, la musique elle se coupe, on l'entend plus. Genre, vu que t'es un peu chouette, ah, je pense. Voilà, la vraie musique de Koh-Lanta. C'est parti, les amis. Donc, il nous reste 3 candidats. Je vais demander à une personne déjà de descendre des poteaux. Je vais demander à monsieur père de deux gosses de descendre des poteaux d'une marche. Voilà. Il n'en reste plus que 2 en course sur les poteaux. Qui va rester le plus longtemps ? Il va falloir trancher entre vous deux. Je pense que l'un de vous deux est le meurdeur. Moi, je trouve que celui du milieu, Tango, il a un bon cul. Refaites un petit speech en 5 secondes pour vous présenter. J'aimerais savoir à qui accorder le collier d'immunité pour éviter d'avoir à le tuer. 10 secondes de speech par personne, tu commences. La cagnotte, elle est bon. Ok. T'as dit quoi, Denis? Lui, à côté, il s'est fait traiter de moche. Caméra, on a dit, hein. C'est moi qui mérite le trophée et puis les 100 000 euros. Oh, shit. Denis, je t'avais dit quoi, Denis? Et voilà, nous avons tué les 2 candidats. Il y avait le bon dans le tas. C'est dommage que ta musique elle se coupe parce que t'es en push to talk, mais c'est génial, c'est beaucoup trop drôle. Oh, j'ai entendu un coup de feu. Moi aussi. Oui, c'est moi qui ai tiré pour le fun, c'est le seul coup de feu que je vais pouvoir tirer de toute ma vie, alors... Le mec dépressif. La vie, c'est trop dur. Je suis déjà... Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme générique? Je suis sur les poteaux, il y a Kilo Bleu à côté de moi, il a du... Oh, oh putain, pourquoi il me tue? Genre, je ne comprends pas. Je ne comprends il pas. Il doit en être passé, il le tue. Et pour ça, vous repartez avec un dictionnaire sur les chocolats. Allez, Arnaud, tu vas prendre toute la soirée, là. J'ai encore... Vas-y, lance les trucs de questions pour un champion, ça peut être drôle. La musique de questions. Oh non, me tire pas dessus, pas déjà. Non, non, mais foutez-vous sur les poteaux. Mais moi, va j'y vais sur les poteaux. Poteau. Et... Sur les... Qui vit dans un ananas au fond de la mer? Bob l'éponge. Ouais, je veux la musique. Oui. Non, Patrick. Quoi? Allez sur les poteaux. Miko, Roméo, et c'est quoi le prénom? Oh là, Oscar, tu dégages. Oscar, tu te barres. Genre vraiment. On va pas chercher le gun. Je vais pas le chercher. Je vais pas le chercher. Ok. Je vais pas le chercher, mais le tue pas, d'accord? Non. Merde, je suis tombé. On va lui laisser le choix de trouver qui c'est. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Vous vous remettez sur les poteaux du coup? Ouais. Oui. Yes. Ah bah. Bon bah du coup si c'est Roméo et que c'est moi... Mais t'aurais pu jouer le jeu François. Pas ramasser le gun et pas bouger les poteaux. Bah j'ai dû le ramasser quand même. Mais non, tu lui laissais re-ramasser. Viens là. Chut, il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Ah ki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 . Ah kikikiki. Oh merde. Je suis tombé. Monsieur l'arbitre. Je lui ai mis une petite esquive. Non, c'est moi qui suis tombé. Il est derrière. Ouais. Comme, franchement, comme ça. Tu fais comme ça le haineux là. Ah non, j'ai mieux. Mais parle en même temps, sinon on n'entendra pas les audios. Attends. Oh, je connais ça. Si si, c'est pour deviner le nom du murder, je m'appelle Miko, un M. C'est parti, chers amis, devinez le nom du murder. Alors j'annonce, le murder c'est 4 lettres. Et là tu dis Mika. En 4 lettres, Miko. Loupé, merde, j'ai loupé mon coup. Quoique j'ai pas envie de tuer Mathieu parce qu'en fait, même s'il récupère le gun, je me ferai pas tuer par lui, donc bon. Et ça veut dire quoi ça, enculé? Ça veut dire que t'étais pas dans le jeu, toi. On a maintenant fini de jouer. What? Il y a un autre membre. Waouh, jamais vu. De quoi? Hola. Buenas tardes, señor.
Tu peux nous rejoindre. On est en train de tourner une vidéo sur le team, sur le thème les poteaux de Koh-Lanta. Putain, mais non, je suis tombé, je suis Keblo là. C'est trop drôle. Genre, tu vas voir, genre, on est en plein rec là, tu vois. En fait, on a trouvé des petits poteaux de Koh-Lanta et on fait Denis Brognard. Enfin, Denis Grognard. Qui a tiré? Je sais pas. Ta gueule. Mais quelle enfoiré. Va te faire découvrir les Miss. Ma future Miss France. Eh, franchement, regardez le mec qui est mis sur l'épaule. Hein. Lui, c'est Miss Moche, j'ai reconnu. Ah, la première dauphine est éliminée. La première dauphine. Oui, bonsoir. En compétition. Ah, j'arrive à faire un peu la voix de machin là, j'ai plus le nom. Pernod. Ouais. Oui, bonsoir. Nous sommes de retour pour faire la France Miss France de 2062. Oh, j'ai 192 ans et je suis toujours là à présenter, oui. Et c'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Très bien. On passe au bien. Jean-Pierre Foucault, c'est pas Jean-Pierre Pernod. Oh, vas-y. Attends, vu que ça fait 20 minutes de vidéo, juste pour le dernier règle, vous tuez pas, je vais faire un Denis Brognard. Attends, on fait les poteaux de Koh-Lanta ? Ouais, j'ai le gun juste pour le dernier rec de cet enregistrement. Vous tuez pas. Vas-y. On va voir si l'instinct de Denis Brognard va frapper deux fois. Mais essaye de le mettre en continu si tu peux. Sur un. Qu'on l'entende vraiment même quand tu parles pas. Mettez-vous sur les poteaux et vous tuez pas, please. Mais please, il arrive ou pas, Comario là ? Il est où là ? Il est là ! Il arrive. Bon. Il va pouvoir découvrir les poteaux et prochain Raoul. Non, il y en a un qui est tombé. Non. C'est moi. Là, il y en a un qui bouge pas, Saskatoon has joined the game, parfait. Va là-bas au poteau STP. Ah, il faut aller au poteau. Ouais, il faut aller au poteau. Et après, tu lances la musique, si tu peux. Et, Ils sont où mes poteaux? Bah, celle du générique de Koh-Lanta, quoi. Ok. Mais essaye de faire en sorte qu'on l'entende même quand tu parles pas, parce que si tu parles pas, elle se coupe. C'est dommage. Ah bon? Ouais. C'est bon, je suis placé. T'es en poche tout seul. Ok, il en manque un. Les gars, vous avez fait. C'est moi, 2 secondes. Mais y'a pas 2 secondes, tu es mort. Si je te vous avez foutu une map, il faut la télécharger et tout là, c'est long. Non, ça va. Ils ont été. Ça a été rapide. Mathieu, dépêche-toi. Oui, 2 secondes, je suis en train de monter là. Je me suis cassé la gueule. J'aime bien Clémence, j'aime bien Amélie. J'aime bien en plus. Vas-y, lance le générique en attendant, je vais faire une présentation. Ouais. Et son gabarit et son fort caractère, il est intimement blessé par le manque d'affection et d'attention à son égard. Non mais vas-y lance le générique c'est parti. Il est pas encore là, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Tombe pas, descends juste d'un cran, Mathieu. Voilà. Non. Oh putain. Oh le murder, c'est obligé. Attendez. Il gagne du temps là. Mais je suis pas murder. Allez, montez vite, dépêchez-vous. C'est comme tu veux, bah c'est comme ça, mais c'est un discours de montagnard. Moi, je sais déjà qu'il meurt, on va faire les présentations. Allez, vas-y, monte sur le truc ou je te tire dessus. Oh, Mundir, viens là. Et descends juste d'un cran, Mathieu, avance pas trop. Stop, on va faire les présentations très rapides, vas-y, générique. Attention, ça va partir, dépêchez-vous, parce qu'après il y en a un qui va être révélé sinon. C'est moi qui commence ? Ah merde, Delta, bleu, j'aime le pastis. Ok. Et il manque le générique, Mathieu. Bah c'est ça, non? On l'entend Mathieu pas, en fait. Non, en français. Ah oui. Chers amis, on se retrouve avec nos 3 finalistes qui vont se présenter en l'espace de quelques secondes. Seulement 10 secondes par personne. Donc nous avons le premier candidat qui aime le pastis. Que en est-il du deuxième candidat? François, présentez-vous, je tire. Mais toujours d'un couteau dans la nature, je m'en sors, donc je mérite de gagner tout seul, voilà. Ok, suivant dernier, donnez votre avis. Moi je m'appelle Bravo, comme quand tu fais Bravo avec tes mains, là, ok, je suis un peu con. Ma décision a été prise en tant que Denis Grognard. Je demande au Orange de descendre car il est innocent, je le sais. Lequel? Toi, Orange, tu es innocent, je le sais. Zoulou, tu dégages. Oh là là. Je savais que c'était toi. Parce que t'as balancé Kamarov. Quand t'as dit ouais c'est lui, il veut gagner du temps, je me suis dit Arnaud, il a eu peur d'avoir la fumée autour. C'est la fin pour cette vidéo. Elle a été super cool. Très tienne Koh-Lanta, ça a été très drôle, ça a été. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Jusqu'au bout, elle aura été géniale. On vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde.